Heureux. Allez. Quête principale, les sauveurs. Oh merde. Bon, c'est parti. On remet le live sur le téléphone. Hop. Oh merde. Non, pas débrancher le chargeur. Hop là, c'est parti. Pour la suite de Dying Light, donc on sera à l'épisode 27 pour YouTube, je crois. On fait la quête principale maintenant qu'on a fait, on a augmenté un peu nos niveaux de survie. Sachant qu'après, ouais, voilà. Avec quasiment 19 en survie. Et cette quête là nous donne 15 000, donc on sera 19 en survie à la fin de cette quête. On va aller découvrir la vieille ville. Je crois que c'est à cette mission là. Voilà, donne. C'est bien de savoir qu'il y a encore des braves gens par ici. Oui, mais tu donnes, merci. 4000, bon. On se met bien. Excuse-moi. Tu règles dans l'agressivité. Ah, mais c'est juste là. Trop bas. Toc toc toc. Je cherche les sauveurs. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est Bricken qui m'envoie, de la tour. Je m'en bats d'où tu viens. T'as intérêt à te casser ou je vais commencer à plus être aussi poli. Je sais que tu fais sortir des gens du bidonville. Est-ce qu'il y a une nana qui est passée, Jade? Je crois que tu ferais mieux de dégager. Écoute. Réponds. C'est moi qui ai charcuté Rice. Et je sais que ces gars me cherchent. J'ai besoin d'un coup de main. Sérieux? C'est toi qui as coupé la main de Rice? Ouais. Bah oui, c'est là, moi. Tu vas passer dans le secteur 0. Tu t'appelles comment? Crane. Eh ben Crane, tu vas être déçu si tu penses que passer dans le secteur 0 te permettra d'échapper à Rice. Bon, attends. Ok. C'est chaud hein, de vouloir casser d'ici. J'ai un gars qui dit qu'il okay. a branché la main de Rice. Crane. Ouais, c'est ce qu'il dit. Vraiment? T'es sûr? Hein? Ok, entendu. C'était qui? Viens là. C'est bon, on va te faire passer. Quand? Maintenant. Et bah quand même. Ce que t'as fait à Rice, ça nous suffit largement. Va dans le tunnel effondré qui menait à la vieille ville. Tu frappes à la porte qui va aux égouts et quelqu'un viendra s'occuper de toi. Entendu, merci. Je te remercie. Merci à toi. Toi t'allais m'agresser il y a 2 minutes et là tu dis merci. C'est à côté ou pas? Ah, c'est pas perpète non plus, mais ça fait de la trotte. Allez, c'est parti. Je suis passe par là. Trajet au petit. Excusez-moi. Allez, on respire un peu sur cette zone sécurisée. C'est parti. Hop. On va passer, ouais, il va falloir passer le tunnel, c'est logique. Petite lumière. Lampe torche, please. Bonjour mon gros. T'abuses ta race. Ça fait des petits points, ouais, ça fait des gros points même. Allez, 2 minutes. Cette fois-ci, on va pas faire la bêtise de péter le casque. Comme des cons. C'est plus utile pour nous. Ah. Ouh.
Ah merde, ça fait débrancher le chargeur. Y a pas un... Je peux pas me lever sans faire de gaffe, moi. On est presque arrivé. On a le grappin. Il y a trois véhicules là de crochetage. Ça peut faire plaisir. Allez, vers les égouts. Ah, les missions dans les égouts. Ouh, j'ai envie de joindre Ninja Turtle sur NES. Après lui avoir dit ce que j'avais fait à Rice, les sauveurs ont décidé de me filer un coup de main. Ils vont me faire. Oui, non, mais c'est ce que tu résumes là. Ok. Bon, c'est parti. Toc toc toc. Rain? Oui, c'est moi. Oui. Enchanté. Je m'appelle Hassan. Je m'appelle Hassan. C'est moi qui vais t'aider à changer de décor. Non, mais ça n'a pas l'air d'être compliqué. Qui? Elle est d'ici. Brune, mignonne, dure à cuire. Peut-être. Je sais pas. On demande pas les noms. Bah oui. Sauf que vous connaissez bien. Et puis si, tu sais. Sinon, dis-moi le chemin. Hein. Joli t-shirt. Ah oui, pardon, je te laisse avancer. Joli t-shirt. Eh, hey, regarde-moi. C'est nous les rois de la trappe, on les trappes existent. Des gens. Ah, je voulais fouiller. Ah! Il y a quelqu'un qui dort sur ce matelas à côté de... Regarde, ouais, papa, c'est Monsieur Crane. Tiens, tiens, le monde est petit. Dawood, on doit parler de ta situation. Désolé pour la chasse à la figurine, ouais. Mais je ne voulais pas que tu me suives. Ces types sont plutôt sérieux au sujet de leur procédure. Ce n'est pas juste pour Salma. Salma et moi, c'est terminé. Tu es hors sujet. Oui, mais c'est méchant. T'as quelque chose en tête? J'ai encore un flingue, tu sais. Crane, et moi, j'en ai trois. Une règle, ses affaires. Si tu ne suis pas cette règle, tu ne passes pas. Aucun problème. Ah, je peux rien dire, rien faire. Ok. Allez. À partir de maintenant, tu es tout seul. Le chemin est indiqué. On reste en contact par radio. Bonne chance pour la suite, mon ami. Ça donne quoi si tu fais pas la quête? Il est juste pas là. Hein. On y va toujours un par un. Ce gars-là va passer en premier. Il vient d'arriver. Ça fait des heures qu'on attend. C'est pas moi qui décide. Reste là. Ok. Allez, c'est parti. Sinon, vous avez pas les clés de la porte. Oh. Go. Oh là là, nouvelle zone. Ok, c'est pas par là. C'est flippant. Il y a peut-être des infectés par-ci, par-là. Ça devrait pas te poser de problème. Oui. Mais ça, je gère. Par-ci, par-là. Vous allez me réexpliquer la notion de par-ci, par-là. Oui, bah par-ci par-là ma bite, parce que là je dois faire plus d'efforts. Ah, les petites bombes de Zaï, s'il te plaît. Bombe de cœur, en plus. Bon, allez, un cocktail Molotov. Deux cocktails Molotov.
J'ai pas besoin de bouclier là, cassez pas les couilles. Allez. Ok, donc faut juste que je me débarrasse. Non mais t'es sérieux? Allez, tape ta mère. C'était sûr, je prendrais le coup là. Allez, on répare. Et on le marave. J'en ai marre de prendre des coups. Et bah voilà. C'est parti. C'est vachement 3 zombies sur le chemin ça. Pas d'aperçu actuel, ok. Très logique. Ah, ça me gratte le dos, c'est bon. Ouais. Je vais devoir vous finir quand même sur le passage. C'est optionnel. Vous êtes casse-couilles. Ah. Alors. Ok, c'est pas par là. C'est par où? Ah. Oh, il va me casser les couilles lui, mais j'y vais pas. La suite, je l'ai pas trop, peut-être par là. Ah oui, petite flèche. Désolé, mon pote, mais j'ai pas trop le choix. L'autre gars me tire par les couilles. Hein? Quoi? Eh, hey, qu'est-ce que t'as fait? J'avais pas le choix. Je suis désolé. Quoi? Ils m'ont envoyé chez Rice. Le petit bâtard. Non, je l'ai pas. On a pris cher là. Oh. C'est quand même une petite pute, hein. Aïe, aïe. Ah, je viens de me niquer. Survivez à l'embuscade. Oh merde. Bah du coup là je dois tous les niquer, c'est ça? Allez go. Ok, moins un. Salade. Oh, c'était de l'abus ça. Ok. Ah. Faut pas trop vous parler. On est vivant. Toujours vivant. Va falloir trouver des trajets optiques pour leur niquer leur race à ces petits bâtards.
Ouh. Easy attitude. Hop, tiens. Petit truc à ouvrir sur le passage. Un petit corde, Nico sait faire un bon café. Non mais j'ai pas envie de l'ouvrir. Du coup on va où en fait ici? Bah ouais, là où ils, de là où ils viennent. Eux. Ok. What? Ah non, j'ai cru qu'on était revenu là, là où. Des colonnes, des colonnes, des colonnes. Ah, y a des petits trucs quand même. Hein. Ça donne envie de fouiller, mais ça reste bon. Des clopinettes. Des piles, bon, ça fait plaisir quand même. Encore des cafés, bien sûr, Nico. Ah, une pièce électronique. Sympa, la flelou. Ah. Hey, putain, ils sont où? Silence, j'ai entendu un truc. Hey. Allez. Easy. Bracken, tu me reçois? Ici Crane. Comment ça va, Crane? Dis à tout le monde de se méfier des sauveurs. Ils m'ont vendu à Rice. Un peu plus, c'est juste. Oh, le bâtard. Putain. J'espère que ça va. Contacte Troy quand tu arrives dans le secteur 0. Elle est la seule qui peut te filer un coup de main. Bon, moi je veux bien. C'était mon idée. Souhaite-moi bonne chance. C'est bon, allez. Nouvelle zone. Mais coco. Bande d'enfoirés, ces sauveurs. Ces sauveurs. Mais salopards travaillent avec Kras, ils m'ont tendu un piège. Pour un peu, j'y restais. Ça m'apprendra à faire confiance aux gens. Non, mais c'est pas de la confiance, c'est genre. Sinon, on la tenait pas, le critère 0. Puis logique, en soi. Bon, au moins, on est passé. Mais il y avait du peuple. Ah, nouvel endroit. Nouvelle zone. Laissez-moi, je suis dans ma zone. C'est parti. Jade, ici Crane, tu me reçois? Tu me reçois? Jade, ici Crane. J'aime bien cette zone aussi. Merde. Bon, je vais laisser faire les gars du coin. Roy, c'est Crane, tu m'entends? Crane, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis dans ton secteur et j'aimerais bien qu'on se voit. Où est-ce que je peux te retrouver? Tu es ici, dans le à la tour. Excellent. Tu as vu deux tours, une plus grande que l'autre, avec des échafaudages partout? Ouais, devant là. C'est notre perchoir. Comme dans Dora. Au go alors. Vous me recevez? Ici Crane. Hop là. Et un nouveau niveau. Yamden, donc 19 sur 25. Oui, oui, je vous reçois. Ça fait plaisir. Je suis dans le secteur 0. Jade est avec vous? Non. Elle a progressé. Ce n'est pas facile. J'ai dû me couper de l'extérieur à cause des hommes de Rice. À ce propos, docteur, tout va bien? Je suis bloqué ici, mais ça va. Vous venez me chercher? Pas encore. Crane, c'est Tobias. J'ai un nouvel atelier dans la vieille ville. J'ai super bien avancé sur la machette. Il faut que tu vois ça. Il faut que tu viennes. Il est sérieux, lui? Ok, donc ici, on a un big truc. Ah, c'est que des hommes de Rice. On verra. On verra, là, pour l'instant, à la recherche. Ouais, même pas, hein. On peut commencer à faire nos... Ah, elle est petite, la vieille ville, quand même. Bon bah allez, allons faire les zones. C'est chelou ce bruit. Enfin plus flippant que chelou, mais c'est flippant. C'est chelou. C'est filou.
Ah, mais c'était où? Ok, c'était là. Vous êtes qui, vous? Bande de petits... Oulay. Attendez, je recharge. Oh non, mais j'ai esquivé et tout. Non, c'est bon, casse-moi. Bon bah, on va faire une zone. On retourne à celle-ci. J'aime bien la vieille ville aussi, ça a l'air d'être bien. Vous savez qu'il manquait manquerait un petit peu à ce jeu, un truc rigolo, ça serait des trucs à récupérer. Que les statues en or et les pas, mais ouais, des trucs sur des toits comme ça, où tu le vois, genre ça clignote en bleu, un truc comme ça. Et que ça te donne genre 750 points d'agilité. Et que t'en as 21 dans la ville et 52. Je sais pas, c'est qu'une supposition. Vous voyez des petits trucs comme ça qui donneraient encore plus de saveur au jeu. Je dis pas qu'il n'en a pas. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Eh, hey, parle bien. C'est pas grave, ça se passe bien. Allez. Hop là. On met les compteurs à zéro. On va aller fermer la porte. Nouvelle zone. On va tuer le zombie là-haut. Nouvelle zone. Vous pouvez pas dormir maintenant, mais nouvelle zone. Ok. J'aime bien faire le machin rouge. C'est vivifiant. Petite PJ. Bon, ouais, je pense pas que ça amortisse la chute des bagnoles comme ça. Comme un trampoline. Ah, c'est qui, c'est du peuple là. Ah, c'est au-dessus, non, c'est en dessous. Ça se passe bien, petite chicha, tranquille, au calme. Par là. Non, c'est... Whatever. What? Oh, c'est trop chelou. Ah, c'est là. Expliquez, wesh. Bon, hein. Donc il se retourne, j'aurais le temps de pousser cette caisse 8 fois. Et de le fouiller 3 fois, voilà. Hop là, et on remet les courants. Ah oui, j'espère. Du coup la sortie sera par là. Sur un tour, il y a quand même des zombies. Et qui considère pas comme une zone à zombies, c'est bizarre ça. Niveau d'agilité. Oh, ça reste plus rien. Oh, ça reste vraiment plus rien. Je pensais que ça amortirait la chute. Bon.
C'est un gros. Putain, c'est un gros l'ennemi de base. Ça tombe bien qu'on ait trouvé de l'alcool et tout là pour se faire des petits tics de soins. Oh, même pas. Oh. Ça va être chiant ça. Ok. Ça se passe bien. Mais non, mais ça c'est de l'abus. Ouh. Ça va mieux. C'est pas là? Ah non, c'est en dessous. Non, c'est en dessous. Non, c'est en dessous. Non, c'est en dessous. Elle a le reste au-dessus. Ok. Si, là, c'est là. Ah. Attends, c'est trop chelou comment c'est fait là. Ok. Non, si, ça se passe bien. Je viens de biter comment ça marchait. Ta race. Ça se voit que j'ai bité. Ouais. Ouais, mais après. Hop. Ah, c'est bon. Nouvelle zone sécurisée. Oh, c'est loin. Heureusement qu'il y a du air control dans le jeu, quoi. Pas con ça. In the rare. C'était un bon soldat. Chopez cet enfoiré. Attends, faut courir par l'arme. Eh bah, ça s'est bien passé. Si, ça s'est bien passé. Non, si, c'est bon, allez. J'imitais le bruit parce que voilà, ça le faisait pas. Alors, c'est bien, c'est que ça amortit les chutes, ces conneries. Et il y a beaucoup de machins blancs. On verra ce qu'on peut faire avec. Ok. Oula. Ouais, je le sentais. Non, mais c'était pour restructure. Sûr. Go. Allez, moins 3. J'aime bien les one-shotés. Non, c'est pas là. Et voilà, nouvelle zone de fête. Ou pas, hop là. Nouvelle zone de fête. Oui, c'est normal qu'il y ait le compteur courant dans les toilettes. Ok. Ah.
machin bleu par là, c'est quoi? Ah! T'as vu ça? Il me fout un démolisseur là. Je suis mort, 1000 fois. Et là je me fais lui. Ah! Je viens de descendre de 3 étages. Ok, easy. Donne du tri, là des trucs. Oh, j'allais péter des câbles. Pourquoi il m'a dit encore ce point là? Ça me reste une zone, bah on va couper en travers hein. Ça l'a pas maintenu. Ça va me péter des câbles. Ça va me péter des câbles, oui. Oui. Voilà. Tranquilou, kilou. On va analyser la zone et voir ce qui se passe là-bas. On voit qu'on a un niveau de puissance. Petit crochetage. Bon ça va. Non, c'était pas lui. Ah, easy. Donne des bons trucs. Oh, une petite caisse humanitaire, ça fait plaisir. En tout cas, on a la technique pour faire l'humanitaire. Petit kit de soins, parce qu'on commence à prendre énormément de dégâts, force. Allez, c'est parti. Moi, je me tire. Mais j'ai fait vraiment toutes les zones rouges là, enfin toutes les maisons je veux dire. Après elle est petite la vieille ville hein. Faut pas s'attendre à... Ok, ouais non on voit ça va. En tout cas il y a plein de caisses de rice. Excuse-moi. Excuse-moi vraiment, je suis désolé. Ouais, il y a quand même 2-3 hommes de rice par ici. C'est bien, c'est qu'on peut vraiment rentrer et sortir des maisons. Ça, c'est stylé, ça. C'est Assassin's Creed Unity qui avait lancé un peu ce truc. Dans les anciens Assassin's Creed, tu pouvais te balader de bâtiment en bâtiment. Et dans Unity, on pouvait commencer à rentrer dans les bâtiments. J'ai trouvé ça hyper stylé. Et le fait qu'ils ont réussi à faire une bonne acquisition de ça sur Dying Light, pas dégueu. Non. OK. Il y a moyen de le faire comme ça. Ok. Je
Bon, en tout cas, ça nous fait du 55, hein. Sale bâtard. Sale bâtard. Allez. Oh, y'a l'autre. Ah, mais ça fait mal. La salope. Bon, point de survie 3400. C'est logique de perdre autant de points de survie. Tout dans la logique, mon coco. Bon, on va juste aller faire. Au lieu de claquer 6 chargeurs, on va juste aller faire ce qu'on va faire de base. Et quel... Qui a la rivière qui passe au milieu de la vieille ville. Allez. On ira faire toutes ces caisses, tous ces machins plus tard. Bah oui, c'est un gros, pardon. Je me suis dit pourquoi je dois pas double shooter lui. Hein? Ah, ok. Il y a vraiment un problème là, c'est plus des zombies, c'est des mannequins en plus. La peur. Oh là là. Oh, mais Taras. Réflexe, je tape. Bah oui, des zombies explosent comme des merdes, enculeuse. On se reparti. C'était prévu. C'était pour la lague sous-marine, ça m'a manqué, pour fabriquer un nouvel objet. Non mais on va arrêter de faire tous ces trucs d'activables et d'activés. Là pour l'instant, ce qu'on fait nous, c'est se balader de toit en toit de manière trop stylée. Ah non, je me suis dit putain, c'était une... j'ai cru que c'était une fenêtre à barreaux. Ça passe trois fois. C'est easy. Et on met la fin de ce jeu ici. On va y refaire un petit tour, mais en tout cas on a tout fait. Je m'attendais quand même dans ce bâtiment un petit truc quand même. Hein. Et voilà, on a fini. Ah, ça s'est bien passé. On a au moins toutes les zones vertes. Le mieux ça serait vraiment faire un tour complet comme ça. Et puis après à l'intérieur ça se fait automatiquement. Bon allez, c'est l'heure d'aller dodo. Salut à vous. Passer une bonne soirée ce soir, c'était cool.